Alors, il y a un papa qui m'écrit et il me dit, massage, ma femme est dans son dernier mois et depuis la date de l'échographie a été dépassée. Depuis maintenant quelques jours, elle se plaint de douleurs au bas-ventre et au dos, mais jusqu'à présent, le bébé ne se présente pas. Premièrement, nous voulons savoir si cela est normal et sa dernière échographie avait dit le 15 et voilà, nous sommes au 21 novembre et toujours rien. Je rappelle que nous avons suivi toutes les consultations et les examens. Merci. Merci papa pour ta question parce qu'elle va me permettre de répondre à beaucoup de mamans parce que je reçois aussi ce message-là en inbox plusieurs fois. Sachez que lorsqu'on vous a fixé une date d'accouchement, c'est une date probable, comme le nom l'indique. Ça veut dire que ça veut pas dire que vous allez accoucher à la date précise du 15 novembre qu'on vous a donné. Non, c'est une date probable. Ça veut dire que vous pouvez accoucher à cette date-là ou accoucher dans un jour qui est autour de cette date qu'on vous a indiquée. Généralement, quand on vous donne le 15 novembre, c'est 2 semaines avant le 15 novembre et 2 semaines après le 15 novembre. C'est dans cet intervalle-là que l'accouchement peut se produire ou alors devrait se produire. Donc, quand on vous a dit 15 novembre, vous faites 1er novembre et 30 novembre. C'est-à-dire que c'est dans cet intervalle-là que l'accouchement va se produire. Mais ne faites pas une fixation sur la date du 15 novembre. Donc, si le 15 novembre est passé, ça veut dire que vous avez un problème, vous n'accouchez pas, le bébé a trop duré. Non. Un accouchement va intervenir entre la 37e et la 42e semaine de grossesse. Ça veut dire que tant que vous n'êtes pas à 41 semaines, 6 jours, il n'y a aucun problème, bébé a encore le temps de venir. Au-delà de 41 semaines, 6 jours, vous rentrez dans la 42e semaine et vous êtes dans ce qu'on appelle le dépassement de terme. Et là, on est obligé d'intervenir. C'est en ce moment-là qu'on est obligé d'intervenir pour faire un déclenchement ou alors un accouchement par césarienne parce que à partir de la 42e semaine, le placenta commence à vieillir. Le placenta, c'est l'organe qui va permettre de nourrir le bébé, d'apporter tout ce qu'il faut au bébé. Mais au-delà de 42 semaines, le placenta vieillit. Donc, il n'est plus capable de nourrir le bébé correctement. Il n'est plus capable d'envoyer l'oxygène au bébé correctement. Donc, en ce moment-là, à 42 semaines, il faut qu'on intervienne. Soit on déclenche l'accouchement, soit on fait une césarienne. D'accord? Mais tant que vous êtes encore avant 41 semaines, 6 jours, vous avez encore le temps. Ne vous inquiétez pas. Bébé saura venir au moment opportun. Ne faites pas une fixation sur la date. Ne restez pas tout le temps en train de vous inquiéter. Et le bébé ne vient pas. Il n'a qu'à venir porter ses habits-là. Et depuis là, je n'accouche pas. Ma copine a accouché à 37 semaines. Moi, je suis à 31 semaines, à 38 semaines, 4 jours. À 39 semaines, 5 jours. Pourquoi je n'accouche pas? Vous n'avez pas été enceinte le même jour, vous n'accoucherez pas le même jour. Quand on vous donne une date probable d'accouchement, c'est une estimation. Ne faites pas une fixation là-dessous. Ça ne veut pas dire que vous allez accoucher ce jour-là. Non. Vous êtes dans un délai. Vous êtes dans un délai que vous devez respecter. Un délai de 15 jours avant, un délai de 15 jours après. Et discutez toujours avec votre sage-femme qui saura vous rassurer. Ne restez pas à la maison en train de vous poser des questions et d'attendre indéfiniment. Ce qui est important de savoir, il ne faut pas dépasser 41 semaines, 6 jours. Si vous avez dépassé 41 semaines, 6 jours, ne restez pas à la maison. Consultez votre sage-femme, même si vous n'avez pas de rendez-vous et même si vous n'avez pas de douleur, même si vous n'avez pas perdu les os. Je suis Christelle Achi, je suis votre sage-femme, votre alliée, votre amie, votre sœur. Et bisous, bisous infiniment. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre la vidéo dans vos favoris parce que vous aurez sûrement besoin de cette réponse-là un de ces jours. N'oubliez pas. Bye bye.